Oh, quelle chaleur! Ah, oh, salut les gueules! Justement, il faut que je me dépêche. Eh oui, Carly, Léa Beth a posé un tag à Taylor Monster. Mais Taylor Monster, lui, il est trop occupé pour répondre. Il m'a donc donné toutes les réponses et je vais devoir y répondre par cette grande chaleur. Oh, bon, je dis qu'il fait chaud à l'intérieur parce que dehors, on se caille. Ici, elle se sage, etc. Donc, première question. Quelle est la MH d'après toi qui te ressemble le plus? Donc, il a dit que ça dépend des choix. Parfois, ça peut être Draculaura avec sa connerie, Franky avec sa gentillesse, Yannis avec son écologie, Claudine avec son côté rebelle, Cléo qui ne laisse pas marcher sur ses pieds et tout, voilà. Deux. Combien as-tu de Monster High? Donc, il a 26 Monster High. 3. As-tu perdu quelques accessoires? Donc oui, on a perdu une boucle d'oreille de Twyla et les nageoires arrière de la Luna. Mais bon, c'est pas grave, ou du moins c'est pas très grave. Ou les achetons-nous. Donc, à Jouer Club, sur Internet, Carrefour, Jean Casino, Le Bon Coin, Vigrenier, partout. Mais le plus souvent, je vous est-ce que tu en as customisé? Donc, j'en ai customisé une. Donc, c'est ma Claudine, qui est devenue ma Claudine Picture Day. Donc, voilà, qui était à la base ma Claudine Basic 2. Ensuite, j'ai mes collègues monstres, mais après, j'appelle pas ça de la customisation. Nous faisons des poupées prévues pour ça, donc je ne les montre pas. Ensuite, sixième. D'après toi, quelle est ma chabille le mieux? Donc ça peut en poupée, Draculaura, Claudine. Je trouve qu'elles ont tout un look et la majorité me plaît. Cette comment tu connais les MH? En regardant la web série. 8. Ta collection Monster High préférée. Je pense que c'est les 3. Soit les 13 Wishes. Voilà. 13 Wishes ou Scaries. C'est vraiment bon en fait. Je les aime toutes. Mais bon. Si tu devais avoir une collection entière, laquelle ce serait? Les basiques, parce que c'est là où il y en a le plus. Alors, 10. Le personnage le plus sympa d'après toi. Donc, le personnage le plus sympa d'après moi, c'est Franky. J'adore sa gentillesse et Draculaura pour sa connerie. 11. Le personnage détesté. Donc, déjà, je dirais pas le personnage détesté, celui que j'aime le moins, et j'en ai pas. Je les adore tous. Oui, je les adore tous. À part les Gold Life, ça je peux pas avoir, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, je les trouve pas très belles. 12. Ce que tu penses des Monster High en général. Je trouve que ce sont des poupées très originales et très très belles. Après, c'est décalé, il y a pas tout le monde qui aime. Et puis j'adore le slogan de ces poupées. Be unique, be yourself, be a monster. Soit unique, soit toi-même, soit un monstre. Ça, c'est le slogan qui tue. 13. 13. Qui souhaite taguer? Donc, je souhaite taguer Didi Félin Chat, Lolo Monster High, Mademoiselle Elona Monster High, et c'est tout. Oui, c'est tout. Et voilà. Et Kitty's Monster aussi. Donc, 4 personnes. Donc, je répète les questions. Alors, d'après toi, à quel Monster High ressemble-tu le plus? 2. Combien as-tu de Monster High? 3. As-tu perdu des accessoires à Nash? 4. Où les achètes-tu? 5. En as-tu customisé une ou plusieurs? 6. D'après toi, quelle MH habille le mieux? 7. Comment as-tu connu les Monster High? 8. Ta collection Monster High préférée? 9. Si tu devais avoir une collection entière, laquelle ce serait? 10. Le personnage le plus sympa d'un Monster High d'après toi? 11. Le personnage que tu détestes? 12. Ce que tu penses des Monster High en général. 13. Qui souhaites-tu taguer? Bref, allez, ciao. C'était une vidéo de réponse de tag. Wouhou! Ciao les amis! Ouh, il fait chaud. Ça va, Franky? Ouais, je vais à la plage. Let's go to the beach!